créé. Un autre célèbre l'anniversaire de la création. On ne pouvait pas imaginer mieux que cela en cette heure et à cette occasion. Excellence, cher Père, merci pour cette place de choix dont nous bénéficions dans votre cœur paternel. Du fond de leur cœur jaillit aussi un vœu, une demande, une doléance. Excellence, cher Père, nous avons faim et soif du Christ, notre Maître et Sauveur. Nous voudrions la faveur de passer de l'étape de la station en paroisse. Nous croyons et estimons que nous pouvons désormais garder un prêt sur notre station. Il y a 30 ans, en effet, Monseigneur Lucien Moncy Agopa, notre illustre prédécesseur, avait créé cette station secondaire de Laoutan comme lieu de culte pour tous les fidèles catholiques de cette localité, de ce diocèse qui s'étendait depuis Abomey, son siège épiscopal jusqu'ici et au-delà, jusqu'à Pira et au Kouta aussi. En ce 30e anniversaire de la création de ce lieu de rassemblement du peuple des fils et filles de l'Aouta, pour prier et adorer Dieu, c'est à moi qu'il est fait les signes honneur d'honorer la mémoire de cet illustre et vaillant pasteur, de vénérer mémoire de notre Église au Bénin. L'expression parfaite du visage de Dieu lumière née de la lumière, vraie lumière, ou encore vrai Père, le Christ qui est né de la Vierge Marie, est celui que toute l'humanité attendait. C'est celui que notre pays attend. C'est celui que le diocèse de Dassa attend. C'est celui que la communauté Saint-Pierre, Saint-Paul de Laouta attend. Il est là. Nous devons l'écouter et l'imiter dans notre marche de foi. Il est là. Nous sommes sa famille, ses membres. Et tout à l'heure, les enfants vont devenir membres par la grâce baptismale de son corps mystique qui est l'Église. Le Messie qui viendra sauver le monde, le voilà qui l'est couché dans une mangeoire. Ce n'est pas normal qu'une femme accouche dans une mangeoire. Il y a encore beaucoup dans nos villages qui n'ont pas de conditions optimales, adéquates, dignes pour accoucher.